prisonnier François. Accorde de tout cœur la bénédiction apostolique à l'archidiocèse de Papeete, ses prêtres, diacres, religieux et laïcs. À l'occasion du cinquantenaire, et invoque par l'intercession de la Sainte Vierge une nouvelle abondance et grâce divine. Donnez le 31 mai 2016. Voilà. C'est tout d'abord la miséricorde du Seigneur qu'il faut célébrer aujourd'hui, encore plus que les exploits de l'homme. Mais le Seigneur a donné les forces pour accomplir des grandes œuvres dans ces cinq décennies. La contribution des archevêques, administrateurs, missionnaires, prêtres, religieux et laïcs engagés reste inestimable. L'évangélisation n'est pas terminée nulle part, ni au sein, ni hors de l'Église. Ensuite, en vertu du baptême reçu, chaque membre du peuple de Dieu est devenu disciple missionnaire. Nous-mêmes devons donc nous insérer dans l'initiative divine pour devenir des évangélisateurs. Notre imperfection ne doit pas être une excuse. Au contraire, même si nous sommes parfois aveugles, pour ainsi dire, nous avons la capacité de reconnaître la présence de Dieu dans notre vie et parmi les autres. Déclare, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Cette profession de foi est devenue la garantie que l'Église a un futur. Aussi l'Église dans l'archidiocèse de Papeete. Jésus dit, tu es Pierre, sur cette pierre je bâtirai mon Église. Et la puissance de la mort ne l'emportera pas sur elle. Nous voyons donc que l'Église n'est pas bâtie sur une parfaite organisation et administration, même si les deux choses sont extrêmement importantes. L'Église est bâtie sur la promesse de Jésus, la promesse qu'il a fait, que Jésus a fait à Pierre suite à son expérience et sa profession de foi. Prêcher, s'il est inévitable, prêcher même avec les mots, mais prêcher d'abord avec les œuvres. C'est une des choses qu'on peut apprendre du pape François. La meilleure motivation pour se décider à communiquer l'Évangile est de le contempler avec amour, de s'attarder en ses pages et de le lire avec le cœur. Si nous l'abordons de cette manière, sa beauté nous surprend et nous séduit chaque fois. Donc, il est urgent de retrouver un esprit contemplatif qui nous permette de redécouvrir chaque jour que nous sommes des dépositaires d'un bien qui humanise, qui aide à mener une vie nouvelle. Il n'y a rien de mieux à transmettre aux autres. Bon anniversaire. Amen.